Oh, comment ça fait bizarre. Oh, comment j'ai plus l'habitude. Oh, mais attends, mais ça fait un mois que je l'ai pas sorti là. Oh, elle est en hibernage. Waouh. Comment ça fait trop bizarre. J'ai roulé avec la crosse entre deux. Aïe aïe aïe. Tu passes du 4 temps au 2 temps. Ah ouais, attends, même le frein il est pas positionné au même endroit là. Il faut que je m'y remette. Merde. Quel problème quand t'as deux motos. Oh merde. Oh bordel, ça c'est un stop, c'est vrai. Ah, bah lui il l'a pas fait. Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, le retour, le fameux retour en derby. Oh là là, et les mecs, ça fait 3 semaines j'ai pas roulé avec la derby. Vous l'avez vu au titre, il y a eu un petit souci entre deux. C'est pour ça que j'ai pas roulé avec. Je vais vous expliquer pourquoi. Wow, entre deux, j'ai roulé avec la crosse, moi, ça a rien à voir. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec. J'ai l'impression que tout est gros, tout est grand, tout est exponentiel, frérot. Ah, par contre, on est bien confort, hein. Mais pas du tout la même position que la dirt. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, déjà, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Voilà, je sais que là, ça... Putain, alors, là, putain, 150 000, là, près de 200 000, frérot. Ah, le départ. Oh, le départ. Eh, faut pas m'en vouloir, ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé. Allez, 200 000, ça va être quelque chose. Allez, 200 000, frérot, ils vont... Waouh, prendre un coup de vieux. Bah ouais, c'est la fête du slibar. Bah oui, bien sûr. Lui, c'est open bar. Bah, bah, bah. Obligé de faire un départ GP, fallait pas gêner le monsieur derrière. Oh merde, j'avais oublié ça peut-être. Bon les mecs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos motos elles vont bien. Là ça y est, là c'est les vacances, c'est l'été. Il y en a, ils ont ressorti leur moto là, c'est sûr. Putain, le frein ça me choque, c'est pas du tout pareil. Avec la dirt, avec la croche, j'ai le pied posé dessus. Putain, la position, ouais, je suis bien assis. Alors, bon attends, le feu rouge il se rapproche quand même. Pourquoi? Ah si, voilà. Ah, il me reste de l'essence moi. 104 km, toujours pas la réserve. Mais je suis con, c'est une derby. Je suis vraiment débile hein. Ah, c'est long à monter, merde. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ouah, c'est imposant de ouf. Ouah, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que ceux qui sont en vacances y profitent. Les amis, j'espère que la GoPro, la caméra, elle est bien placée parce que sinon je vais péter un câble. En gros, je me suis dit, je vais mettre mon autre casque où j'ai un deuxième setup micro et tout parce qu'il y a une mousse. En gros, j'ai monté une mousse sur l'autre parce que vous m'avez dit, ouais, Léo, mets une mousse, on t'entend trop gueuler, c'est relou. Du coup, j'ai mis une mousse, mais sur l'autre et pas encore sur celui-là. Et faut que je le fasse, mais je vais le faire. Hein. Mais alors quand, ça, je ne sais pas, mais je dois le faire, je dois le faire. Mais du coup, j'ai voulu prendre le setup de là pour le mettre sur l'autre avec la mousse. Sauf que j'ai changé et au final, j'ai pas réussi à le mettre sur l'autre parce qu'il manquait des attaches. Le fait est que bah tout le support là, il a bougé. Donc j'espère que là, on me voit quand même bien. Sinon, frérot, j'aurai le seum. Parce que dans l'histoire, j'ai perdu du temps. Et ça se trouve, je vais niquer une vidéo à cause du positionnement de la GoPro. Ah, il fait beau. Eh là, c'est, eh, ça, c'est un petit terrain de cross là. Oh là 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 là. Putain, ils sont chauds les gens ce soir là. Ils veulent vite rentrer chez eux. Fro, c'est quoi, c'est 70. Je suis à 90. Ouais. Show de night, les gens. Show de night. Les amis, venez me suivre sur Instagram. Je suis obligé d'employer un ton impérial, frérot. Parce que quand ça va être le concours, les gens ils vont kiffer. Les gens ils vont kiffer. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai changé sur la moto? Faut que je m'arrête pour vous montrer. Et vous, vous essayez de deviner. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Danger, frérot. Danger, malheureux danger. 57, ralentir. Waouh, j'ai qu'un kilomètre heure de décalage, putain. Ouais. Ah, dans la pâté, du steak haché à l'herbie. Hop, hop. Non, c'est pas à droite ici, là. Je sais pas, là, je découvre des nouvelles routes, là. On se balade, quoi. On se pavane. Ouah, comment ça fait longtemps que j'ai pas roulé par contre. Ouah, c'est tuning. J'ai plus l'habitude de rouler avec elle. Stop à 50 mètres. Oh, je fais comment là? Ah ouais, frérot. Et moi, je passe où? Mais normalement, ils mettent pas un panneau avant pour dire que la route elle est barrée. On passe où nous? Bah, on fait demi-tour là. Mais par où on doit passer? Attends, on passe par où là? Bah, c'est compliqué là. Ah bah là, c'est. Là, il y a un trou là. On passe à faire demi-tour hein. Oh, Ginette, moi j'ai qu'un 50. Oh, elle est belle. Oh, le casque a sorti avec. Oh, moi j'ai qu'un 50, frérot. Oh, comment ça a l'air de marcher. Oh. Les amis, ça marche une Harley ou quoi? C'est pas juste le truc de la balade et ça marche pas. Je sais pas, mais là, ouais. Eh, ça a l'air d'envoyer du steak haché. Putain, j'ai un pantalon trop court. Guetté, j'ai dû mettre des chaussettes pour pas avoir froid. Merde. J'ai envie de le suivre, je te jure, je vais faire une folle course-poursuite avec. Bah non, en fait, il m'a déjà fumé le couz. Attends, mais ça marche fort une Harley? Je vais le rattraper. Mais normalement, c'est pas que pour les jeunes papas à la retraite dynamique. Ah oui, faut que j'aille me poser pour vous montrer ce que j'ai changé sur la moto, en fait. Parce que ouais, elle a eu un petit problème. Elle a été en immobilisation, elle a eu un arrêt maladie de 3 semaines.
Donc voilà, tu vois, je le rattrape. Pas besoin d'avoir frérot, pas besoin. Arrête de faire le mec. Tu sais pas, je vais te rattraper mon ref. Je vais te mettre 200 mètres d'avance au départ arrêté. C'est totalement faux. Sauf que lui, il est de Danny Fren. Moi, je les passe à 90. Nanani, nanana. Ah non, celui-là, il a l'air de faire mal. Oh non, ça va, il a bu. Oh, comment il a bu sur les Dodan. C'est large. Eh, par contre, elle fait un de ses bruits, c'est trop beau. Il a un casque, il est magnifique. Par contre, il a qu'un feu stop, on dirait. Tion. Allez, là, il se pavane, balade du vendredi soir. Oh, il a totalement raison, le ref. Par contre, je pense que je vais le saouler à le suivre. Moi, je... Ah, bah non, moi, je vais là-bas. C'est barré aussi là-bas. Moi, je lui comprends rien à leur route. C'est barré de partout. Ah, c'est la backlife. Je me suis fait un copain motard, un copain en Harley. Il va croire que je vais aller dans la même direction que lui. Bah de base c'est ce qui était prévu, mais en fait non, moi j'essaye de découvrir. Ah ouais, petite main, petit gilet. Ah lui, il a la vraie dégaine mon ref. Il doit se dire, il m'énerve lui avec sa mobilette derrière. Bon, moi je vais trouver un petit spot quand même ou non là. Mais je te jure, il va croire que je le suis. Vas-y, attends, je vais partir là-bas sinon ça fait trop suspect. Non mais moi j'ai pas envie de partir, moi j'étais bien avec lui. Au revoir mon ref. Bonne continuation à toi. Gros V. La chicane, la chicane, la chicane, et j'ai pas la priorité, Nick. Ah oui, bah oui, j'ai pas la priorité, bah oui, collègue. Merde, on est obligé de s'arrêter. Ah, pas de soucis, pas de soucis, collègue. Ah, mets place à gueule, avancez le moteur. Ah, jusqu'au serrage moteur, carrément. Oh merde, quand je vous ai dit que je connais pas ici. On s'arrête, net. Mais moi, je voulais tester des nouvelles routes, là. Et on est d'accord les mecs, genre en mode c'est imprudent, enfin non ça se dit imprudent, non c'est pas prudent, genre si t'es sur des routes que t'es jamais passé dedans, mais genre tu tartines sa mère, mais quand je te dis tu tartines genre en mode, tu vois tu tartines de ouf, après t'as bon être à pilote et tout, mais imaginons, genre en mode t'es jamais passé, tu connais pas, on est d'accord, genre votre premier passage vous tartinez pas sévère ou one life frérot. Ouais, je me la traîne là avec la derby. Non mais attends, encore une route barrée. Non, tu te fous de ma gueule par contre. Mais non, mais moi je voulais un bon spot là, c'est quoi là? Il y a des routes barrées de partout. Ah non, attends, je vais aller là-bas. Wesh, c'est la guerre ici frérot. Merci Jackie et Michel. Il devait aller prendre l'apéro à cette heure-là. Attends, moi je suis perdu. Ouah, c'est la guerre frérot, la route ici. Oh, oh putain, attends, il y a des cratères là. Ah, vas-y collègue. Attends, je vais aller faire du off-road. Tu viens là frérot, t'as pas le lift, tu viens là en lambeau sans lift. Y'a moyen là, tu repars à pied frérot, tu la gardes, tu repars à pied. Sinon tu sais que tu vas la manger. Ouais, t'as vu Jackie, j'ai une caméra. Hey, ils adorent hein. Les gens ils adorent hein. Oh putain, on arrive sur des bonnes routes ça. Oh, par contre ouais, l'état de la route. Oh là. Hein, quoi, sens interdit? Non. Mais non. Mais là aussi. Attends, sens interdit. C'est une blague. Mais je vais où moi? C'est pas interdit pour moi aussi. Mais non, mais attends, mais c'est trop relou ça, c'est interdit de partout. Putain, il suffisait de cligner des yeux et il était pas interdit pour moi. Ah ça c'est, tu vois, tous les tchos sont dehors, il est 19h30, vendredi soir il fait chaud, va jouer au foot, on mangera une frite ce soir. Eh, Jackie, rentre ton ventre, ça dépasse. Bon, alors attends, parce que moi ça me casse les couilles cette histoire là. Moi je veux aller à une route où c'est la campagne, c'est rallye, tu vois. Oh la maison. Mami, boum. J'espère que vous allez bien. Oh, je sais pas, je suis trop de bonne humeur aujourd'hui. Je suis trop de bonne humeur, mais dans une semaine, c'est le bac. Eh, merde. Et maintenant, on peut pencher. Vous allez voir la nouvelle. Vous allez voir ce que j'ai changé sur la bécane. Maintenant, on peut pencher sévère. Encore un stop. Ah, tu te mets là. T'accélères. Hop, tu repars. Normalement, faut poser le pied. Donc, tu peux faire un petit lift comme ça. Hop, ça compte. Attends, le bébé, on va pas le rendre sourd. Encore, t'as une bonne moto, ça fait un bon bruit. Tu peux lui permettre au bébé, mais avec une 50 comme ça. Ouais, mon ref. Ouais, t'inquiète, mon ref. Nickel. Mets les warnings M135i. On est yab, gros. En plein milieu, il peut se mettre sur le côté. Non. Ouais, j'ai la prio. Ouais. Hey, Joséphine. Hey, merci, collègue. Bon, du coup, attends, moi, je connais pas ma route ici. Je connais pas tout, là. Enfin, je connais rien de la route. Attends, je suis perdu. Mais attends, mais y a un spot où je veux aller. Mais si je connais pas la route pour y aller, je vais jamais y arriver. Petite trottinette électrique, ça m'a gadi ça. Oh, comment ça change tout. Oh, ce que j'ai changé sur la bécane. Ah bah elle est pas belle. La Skoda, mon frère. Ah non, là, ce que j'ai changé, frère, ça y est. Valentino Rossi n'a qu'à bien se tenir. Fin de déviation, ça prend la courbe. Miaou. Là, vous pouvez pas me dire que j'ai pas changé d'endroit de vidéo. Hein. J'ai cru que c'était la police. Souvent, ils ont ça comme voiture. Petit 5008. Bon, maintenant, je suis arrivé où à l'école? Ouais, j'ai cru que j'étais arrivé à la gare.
Attends, faut que je me souvienne de la route. Je la connais mais je sais plus par où c'est. Mais je la connais, je vous jure. Poupipa. Eh ouais, moi il me faut de la campagne, moi il me faut des terres étendues là pour vous faire écouter le bruit du deux temps. J'adore. Ah, j'adore aussi. Putain, après une trottinette électrique, c'est la Tesla. Ouais, bientôt partenariat avec Tesla, je vous annonce ça, ils m'offrent un leasing gratuit pendant un an. Oh, comment ça serait le feu ça. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Moi, j'ai pas encore ce genre d'opportunité. Je sais même pas si des youtubeurs ont eu cette opportunité. Oh, j'aime pas en blanc. Bon, en vrai, c'est beau, mais j'aurais pas fait blanc. Oui, du tout. Hey, t'as fait un jag. Oh, t'as fait un jag, la calandre. Bah alors, le radiateur, frérot, tu vas me changer tout ça. Tu m'as vu. Bah oui, tu m'as vu. T'es le S. Ah, la campagne. Direction la campagne. Comme demande où je vais aller, direction la campagne. Petit stop. Oh, nickel, on a retrouvé Magadi. Allez, direction la campagne, net. C'est tout au rupteur, sinon ça passe mal. Ah, c'est bon les frères. Je fais ça avec un gros cube, je crois c'est le cimetière direct. Ah, j'étais déjà en 6ème. Comme je vous l'ai dit, Valentino Rossi n'a qu'à bien se tenir. Oh, la capuche, non. Le retour de la capuche parachute. Qui a connu ça les refs? Oh non. J'ai une doudoune et ma capuche. Attendez, vous allez voir ou pas? Eh ben elle fait parachute, c'est horrible. J'ai une prise au vent de ouf, ça me serre la gorge. Et je perds malheureusement 24 km. J'ai compté en moins de pointe. Donc au lieu de faire 110, enfin au lieu de faire 134, je fais que... Ouais non, je m'embrouille dans ma connerie en fait. Putain, je vais devoir tous les laisser passer là, c'est une blague. Ah non, 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 il passe. Allez, il passe. Nickel. Ah. Oh non, par contre, t'as un Kia frérot. Non, ah non, non. Oh, c'est beau. Non, un Kia. C'est un Hyundai. Oh, j'en sais rien, ils changent tous là, ils font tous des modèles électriques. Ah, comment ça me fait plaisir de ressortir la débit. Ah. Alors, mesdames et messieurs, la direction de section d'assaut. Qui a la ref? C'est ma direction. Ah ouais, lui il est showgaze. Bah il est showgaze. Il a mis son tour de cou pour aller au ski dans le Picasso carrément. Ah, il est show de night lui. Elle avait max du Picasso 2,75. Carto éthanol qui nous a fait carrément le couze. Ah, le moteur il va lâcher. Il y avait une amorce là. Oh, qu'est-ce que ça serait bien régulateur. Oh là là. Par contre, au régulateur, t'es en moto, t'es comme ça, t'es au régule gros trou sa mère. Oh là là. T'es sans les mains. Je crois que ça part en freestyle. Où est-ce que je vais aller me stationner? Ah ouais, je sais où je vais aller. Oh, ils ont refait la route ici, comment c'est agréable de ouf. Ma vitesse qui passe pas, mais c'est totalement normal ça. Oh putain, toujours un problème de vitesse. Oh, oh, collé au siège. Oh merde. Ah mince. Ah, oh, carrément, je prends l'embrayage. Ah ouais, ici j'avais oublié, c'est la route où il y a des mini dodanes, ils sont traîtres. Je passe à 2 mètres, de toute façon on va vite le savoir. Ça me fait trop flipper. Si je passe pas. Oh bah si je passe, mais je suis sûr, il y en a en moto, il passe pas. Hein. Regarde la route. Dodane. Ah, elle est nette la route. Oui. Ah, elle est pas des plus agréables. Hop les amis, vous embrayez à combien de doigts vous? Eh, je parle de l'embrayage au niveau des doigts. Aïe, oh putain, commencez pas. Est-ce que vous êtes la team, j'embraye comme ça? Ou est-ce que vous êtes la team, j'embraye comme ça, à un doigt? Ou moi, je prends tout. On m'a toujours dit dans la vie, faut pas faire les choses à moitié. Si tu prends que la moitié, c'est pas bien, prends tout, collègue. Ah, ah. Bon, vous allez voir, je vais me poser. Regardez, positionnement, le genou. Le genou, le regard. On m'a toujours dit le genou, le regard. Sous peine d'amende. Comment ça, sous peine d'amende? Moi, je veux juste me stationner, moi. Allez, on va se mettre là. Oh, il y a un étang derrière. Oh, c'était fait pour moi, ce lieu. Attendez, quel côté est le plus beau? Là-bas, parce qu'après, c'est jauni de l'autre côté. Oh, ça, gros, avec la crosse. Oh, comment ça serait lourd de ouf. Oh, elle sent le cramer la bécane. Ça, c'est à force de rouler 2,90 avec, ils m'ont branlé la VMAX. Il y en a, ils me croyaient pas quand je leur ai dit que je prenais 130 avec l'origine. Non, on va arrêter. Oh, ah, regardez, mon collègue. Allez, mets du nerf. Oh là là, comment ça penche. Mets du nerf, collègue. Oh putain, la VMAX. Je pense que t'es à 25 km/h de VMAX. Oh, il est à fond sur la ligne droite, le pauvre. Revends ça, c'est une trottinette, je te jure. Bon, les amis, nous voilà. Donc là, je vous montre la bécane. Essayez de deviner ce que la bécane a comme problème. Enfin, qui a eu comme problème que j'aurais pu résoudre. Essayez de deviner. Là, je voulais 5 secondes, mais jouez le jeu. Parce que je sais que vous n'avez pas joué le jeu. Je vous montre la moto, comme ça. Tu vois, je fais un petit tour, ligne rouillée. Mais t'inquiète, j'ai changé les pots. Voilà, regardez. On regarde, on prend connaissance du véhicule. Regardez niveau moteur, mon taquet 70. Non, plus sérieusement, les amis, vous l'avez vu si vous étiez bon. Réponse A, j'ai changé mes clignotants. Réponse B, j'ai changé le pneu. Eh bah oui, les amis, j'ai changé le pneu arrière. Car j'avais mangé un jeune clou. Et donc, il y avait déjà une mèche dessus. Du coup, fallait changer le pneu. Bien sûr, question de manque de budget. Question d'équilibrage financier. On a changé que l'arrière. 46€ le pneu, je peux pas me permettre de faire l'avant. On fera. Oh, tranquille, là, j'ai fait un paiement 3 fois sans frais.
La gomme est chaude, la gomme est tendre. Maman, carrément tellement moi je roule sur la bande de peuple, je suis là. Non, c'est faux. Moi je suis là frérot, je peux parler. Je ne penche pas du tout. Non, en vrai, j'aimerais pencher en bécane. Mais déjà j'ai peur ce pneu là. Alors les pneus avant que l'arrière soit changé sont d'origine. Ma parole que vous me croyez ou non, les pneus sur la bécane, c'est les pneus d'origine, ils ont 11 ans, 15 000 km. Dur comme de la pierre mon collègue. Dur comme de la pierre, il y a 50 mèches dedans, c'est super dangereux. Mais voilà, la pneu arrière neuf, c'était notifié ça. Ça pour la revendre, ça, je me perds pneu neuf, ça rajoute 2 000 €. Non, mais voilà, les amis, petit pneu neuf, je dirais pas la marque. si vous voulez, mais il m'offre un pneu. Mais ils vont... si vous voulez cette vidéo, comment c'était moto pas cher, motard.cher ou motopascher.com. Si vous voulez, c'est les pneus les moins chers là-bas, à ce que j'ai compris. Vas-y, envoyez-moi le petit chèque et le pneu avant, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Ouah, comment elle est dégueulasse. Allez, 50 pouces bleus, je vais la laver. C'est vrai que moi, je la lave pas souvent. Hein. Oh, elle est d'origine, frérot. Elle est d'origine et d'époque de 2011. En vrai, elle est stylée. Hein. Une petite ligne, on refait la ligne, sympathiquement. Gagne, tout, il part. Les gens, ils me disent la rouille. Non, gagne. Gagne, ça part. Non, en vrai, croyez pas que c'est parce que je prends pas soin de mes affaires ou quoi. C'est... Ouais, si vous avez raison. Non, en vrai, c'est que moi, quand je vous tournais une vidéo, je rentrais carrément, je la posais. Et à ce qui paraît, il fallait nettoyer le pot parce qu'avec l'eau, le sel qu'il y a sur la route... Vous voyez bien, j'habite à la montagne. Non, mais je sais pas, ils salent toutes les routes. Oui, ils scellent. Voilà, ils scellent toutes les routes et du coup, bah, ça fait que... Mais promis, je vous ferai une vidéo restauration. J'ai pris vos conseils. Pec vaisselle, tu grattes paille de fer et tout. Si vous en avez d'autres, des magiques, tu mets au four, il ressort tout neuf. Putain, comment c'est stylé ici, mon ref. C'est pas assez long pour mettre mon jet ski. Ah, les amis, je vous le dis. Hein. Mais là, on est parti pour vous et moi si vous êtes abonné ou si vous êtes abonné depuis longtemps. On va se voir pendant encore longtemps. Si à mes 20 ans, je n'ai pas un jet ski que je te fume dans la dalle, dans un canal, dans un étang, je suis une grosse... Non mais voilà, les amis, vous avez compris, moi j'ai plusieurs petits trucs que je voudrais réaliser. Et un jet ski, ça me tiendrait vraiment à cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça, ça a été mis pour éviter les vibrations, je crois, ou enfin un bruit bizarre. Compète, c'est un compète. Non mais voilà, en tout cas les amis, voilà, je vais mettre un gros titre là, derby moteur serré pour changer un pneu. Non mais vous savez, vous passez un bon moment avec moi, un moment cool. Vous voulez un petit pierre fait ciseaux? Ça fait longtemps que ça n'a pas fait. Vas-y, un seul, et pas de condition de vous abonner ou quoi, on s'en fait un pour le délire, ok? En deux, Shifumi. 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 T'as capté la stratégie. Si tu fais pierre, si tu fais ciseau, après il va pas faire la feuille, il va faire la pierre. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu fais la pierre, après tu refais le ciseau parce que lui, il va faire la feuille. C'est stratégique mais métallurgique. Ça faisait 3 semaines à pas démarrer, même pas le starter. Un coup de cric, sans accélérer. Merde putain, oh non. Ça part, ça tourne comme une horloge. Ça tourne. Est-ce que vous avez ça sur votre 50 les amis? C'est, je sais pas, dites-moi le nom si vous l'avez. C'est un phare, je pense qu'il y a un nom hein. Et en gros, avec la tension électrique que tu vas lui donner, il va éclairer plus ou moins fort. Je sais pas si ça a un nom ou c'est juste un phare. Non, c'est un phare avec un nom. Puis voilà. Ah oui, il y a aussi ça qu'il faut que je répare. Un petit truc en mousse en dessous, en fait, c'est après, à force de prendre les dodans à 80, j'ai tout perdu. Non mais voilà. Du coup, les amis, maintenant, je vais pouvoir pencher. Dites-moi s'il faut aussi un pneu avant neuf pour pouvoir pencher. Mais je pense qu'avec un arrière, c'est bon à faire comme ça, là, à brûler la gomme. Faut faire un rodage. Je vais faire un rodage de à peu près 2000 km, je pense. Et après, ça sera assez rodé. Non, c'est une blague. Non, on m'a dit quand même de faire attention au début. Voilà, tu fais quelques bornes, tu fais gaffe quoi. Mais ou 500 km, je sais plus ce qu'on m'a dit. Mais on m'a dit de faire attention parce que il y avait une bande qu'il faut qu'il s'use. Après c'est je pense que c'est normal quoi. Et j'espère qu'on voit bien. Si on voit pas bien ou que ça va pas bien filmé, alors que je suis parti de chez moi, alors que j'étais tranquillement en train de regarder des TikTok. Oh mais TikTok, mais c'est une sorcellerie ce bordel. Tu te poses dessus 5 minutes, tu reviens. Ouais ben un deuxième étang, mais donnez-moi ça. Même ça, ça coûte trop cher. Et ben tu te poses sur TikTok, tu reviens, frérot. 30 minutes elles sont passées, t'as 15 boulards. Truc de ouf. Et ça te rappelle que toi t'es une grosse merde. Je sais pas si je suis sur la bonne route là. Je me crois avec la crosse. Allez go. Ça mange quoi les mecs ce soir? Je sais pas pourquoi je vous demande ça, c'est juste j'ai la dalle. Et du coup, donnez-moi des idées. C'est trop chiant quand tu rentres chez toi, tu sais pas quoi manger. Ouah, un deuxième. Mais ça en fait, c'est un étang qui a été créé. Bah oui, c'est logique. Ils ont mis un truc, je sais même pas s'il y a un liner. Et l'eau elle est venue et puis voilà. En fait, ici c'est une bête de ligne. Hein. Ouah, mais attends, mais je viens là avec la crosse. Oh, comment. Oh, il y a de l'eau au milieu. Oh, comment on pourrait s'amuser de ouf ici. Oh, et les amis, s'il y a quelqu'un, un de vos parents, travaille dans un chantier ou qu'il y a des terres dans le nord de la France, que ça soit acheté ou en loc, il y a une voiture. C'est juste la sécurité. Pour être en loc ou quoi dans le nord de la France les mecs. Oh, regarde là, il y a la ligne droite qui est fait pour. Bon, du coup je vais m'amuser à apprendre à poser le genou. Donc voilà, on tourne le regard. Dites-moi si là je suis bien au niveau de la position. On voit que je tourne pas forcément droit. Non là en vrai je sais même pas comment on fait. Je me fous un peu de vous là. Non en vrai moi j'aimerais bien savoir sur les caméras l'agent de sécu il doit être en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait. Bah je rode le pneu arrière frérot. Après on fait de l'autre sens pour roder la gomme. Tu penses que c'est quoi frérot? Un mec qui vient pour faire du drift ou un mec qui vient pour me faire chier?
On va le voir tout de suite. Alors, Pakem. Oh non, lui, il vient là pour apprendre à drifter mon ref. Ou c'est son jeune daron qui lui apprend à conduire. Ah, je sais pas. J'hésite entre le jeune daron qui apprend à conduire ou lui qui veut faire des départs arrêtés ou des runs. Si, il part fort là, non? Si, si, il y a de la poussière là. Ah oui, si, il part fort là, le collègue. Ah, moi, je le rattrape en 2-2. Il aurait pu me faire un drift quand même au rond-point. Franchement, il est pas cool. Et là, le mec du camion, le polonais, il ouvre sa porte. Bam! Il est au ciel. Ah ouais, comment il freine le ref. Attends, il m'a un clignotant pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, il va dire à son collègue de filmer. Non, ou ils vont changer les copilotes. J'ai envie de voir. Oh, c'est sûr. Wow. Oh, lui, il y avait une tête. J'ai pas envie de me battre avec lui. Hein. C'est sûr, ils vont changer les copilotes. Ou sinon, il dépose 15 kilos. Ah non! Vous avez vu, c'était le fils qui apprend. Course poursuite! Ouais, j'ai pété un câble dans ma tête. Vous avez vu, c'était le fils qui apprenait à conduire celle du père. Et lui a dit, vas-y, accélère. Attends, je vais faire une course poursuite avec. Je vais faire genre, je sais pas rouler. Et il est où? Mais frère, vas-y, je t'ai pas mis une avance de ouf là. Non, tu pars. Oh, comment il penche? Non, il part, gros, j'ai trop le seum. Oh putain, non. Bon, allez, on va se rentrer. Hein. C'est bien beau de faire les cons, hein, mais j'ai faim. Ah, j'étais avec mon clignotant, merde. Est-ce que vous avez un réflexe quand vous roulez? Oh, attention, les deux petits dodanes. C'est tout dans le positionnement, le déhanché. Est-ce que vous avez un. Moi, quand je roule, souvent, j'appuie ici pour faire. Pour confirmer que j'ai pas un clignotant. Moi, c'est toujours mon petit tic. Hop, ici comme ça. Ou sinon, tu vois. Mais je suis sûr que vous avez tous des petits tics. Ah, on va décoller. Ah, et nous, on a un contour sur les derbies. Et on fait un sourire à tous les 50 qu'ils en ont pas. Oh, j'adore vous charrier, mais les mecs, si vous savez la chance qu'on a d'avoir des bécanes, peu importe la marque, hein, le plus important c'est d'avoir une moto. Eh, ça me fait trop flipper, j'ai l'impression que je vais taper. Que la bécane, elle soit Ridge ou Derby AM6, tout ce que tu veux, les frères. Rendez-vous compte qu'il y en a, ils rêveraient d'avoir ce qu'on a, et que nous on arrive encore à se. À qui aura la plus grosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas, moi j'ai pas du tout la mentalité du 50, ouais, vas-y frérot, moi je prends 2,70, j'ai un kit Polini, fond top alu, rose mes couilles sur ton front. Moi j'en ai rien à foutre. Moi j'ai une derby. Ah la chétane. Alors si j'accélère avec le pneu neuf, y'a moins je pars dans le décor. Sortie de rond-point courbe. Au rupteur. Aïe. Oh, regardez qu'est-ce que c'est beau. Notre patrimoine franc. Oh là, moi je suis en train de me faire égorger. Comment elle me tire la capuche, c'est horrible. Les amis, est-ce que je vous ai dit de vous abonner parce que c'était gratuit? Parce qu'en gros, on a reçu un mail de YouTube. D'ici le 1er mai, ils feront passer les abonnements. Bon, moi ça va, j'ai choisi le tarif à 19,99€. Et vous pouvez continuer de voir mes vidéos, c'est comme mes OnlyFans. Là, je rigole. Mais imagine un jour ça devient payant. Oh, comment t'auras le seum de pas t'être abonné à tes youtubeurs préférés? Oh, c'est quoi cette phrase? Le mec, carrément, il s'en pue pisser. Oh, le positionnement dans le rond-point, si ma monitrice elle voit ça, elle va me charcuter. Avec sa C2 là. Non, c'est une C2. Ouais, c'est une C2. Il m'a mis une tempête. Non, mais moi là, ma capuche elle. Oh merde. Eh, ça va, ils s'en foutent. Eh, c'est sûr, ils s'en foutent. Là, je tiens le rétro. Je vais voir. Oh, bah mince. Il a pas fait un TikTok avec nous, lui. Ma capuche, elle est en train de m'assassiner. Essayez de regarder. Vous voyez comment elle prend. Oh, c'est horrible. Je peux plus respirer. Je suis obligé de la tenir. Et je parle de la capuche. Non, c'est bon, ils s'en foutaient. Je suis sûr que c'était genre 3-4 mecs en 50. Il y a moyen, ils faisaient demi-tour. Vous étiez à combien là sur la ligne droite? Bah, j'étais à 50. Ah, vous êtes pas 45 vous? Oh putain, comment ça m'a égorgé le truc. Et si j'essaye de l'ouvrir un peu? Qu'est-ce que ça dit si je l'ouvre? Oh, faut que j'essaye de l'ouvrir parce que là, sinon, je vais finir avec une tête en moins. Oh, ça fait froid d'un coup, hein, ouvert. Mais vous, tous ces gens, il y a un rassemblement de gilets. Oh, c'est pas les flics là-bas? C'est les flics. La vie de ma mère, c'est les flics. Oh, comment j'ai trop le seum. Oh, comment j'ai. Oh non, il m'a fait flipper. J'y ai tellement cru que c'était les flics. Waouh, comment il m'a fait flipper. Je me fais dépasser. Vas-y, vas-y, passe coller. Ah ouais, non, bah oui, je te laisse passer. T'es con quoi? Bien sûr que je te laisse passer. Regarde ce qu'il a comme moto. T'as dit. T'as fait merci aux voitures, frérot. T'étais un peu. Enfin, je sais même pas si elles t'ont vu dire merci. Par contre, fais pas le malin. Hein. Moi, je suis signé chez Roof. Hein. Moi aussi, j'ai un Roof. Il est tout beau. Hein. Bon, j'ai pas la moto. Ouais, salut collègue, je sais pas s'il disait à moi ou à lui. Moi, je pense plus à lui, moi, ils s'en foutent, les gens, ils me disent jamais bonjour. Moi, les gens, ils s'en foutent, pauvre Calimero. Ouah, comment il est déjà loin, lui. Ah ouais, il a une conduite. C'était quoi, les amis, son modèle? Une Ducati, quoi? Ah, une Pigalle, c'est le feu. Ah ouais, frérot, il est parti loin, lui. Oh, comment tu peux être en avance si t'es en retard, du coup, avec ce genre de bécane ultra puissante? J'aime bien tes jambes, elles sont belles. Bisous. Même la voiture, elle était belle. Ah ouah. Oh là là, comment je n'ai pas pris qu'à ce qu'elle tourne, elle. Fallait mettre un petit clignotant, collègue. Allez, allez les amis, allez. Est-ce que la 208 me laisse passage? Oui, José, Nika, Nika, merci. Ah, les gens qui parlent comme ça là, ah, c'est trop drôle. Eh, la vidéo elle sera tellement longue. Mais en vrai, c'est parce que là, ça fait longtemps que je suis pas sorti à derby. On s'amuse bien, non? Peut-être le seul à m'amuser. Allez, allez Coco. Chérie Coco, faut pas blaguer. Allez go. Ah, la boîte elle va sauter. Bon les amis, à tout moment la vidéo elle va se couper. Comme d'hab, carte SD remplie, s'il vous plaît, offrez-moi une carte SD. J'ai la tellement gère une carte SD. Oh. Et le orange pour le bus. Let's go. Non, en vrai, ça doit être tellement chiant à freiner un bus.
Là, moi je crash dans le... Ah ouais, ah ouais, one life. Ah ouais, one life. Ah carrément. Ah ouais, nickel. Ah ouais. Ah, il a une vraie conduite, hein. Sans casque et tout. Oh, un peu trop... Ouais, un peu trop confiant. Oh, la friterie. Comment elle est blindée. Oh, j'avoue, une petite frite, là. Oh, comment j'ai faim, un petit américain merguez. Oh là là. Oh, celle-là, on l'a pas déjà croisée sur la route, les mecs. Oh, dites-moi si je crois qu'on l'a croisée il y a pas longtemps. Quand on l'avait vu passer, on l'avait... Elle était tellement tuning. Oh, comment c'est beau. Même ça, c'est beau, ça. Un ranch comme ça. Un petit ranch, ça vaut pas trop cher, ça. C'est largement beau. Oh là 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 là. Bon, je vais aller manger des pâtes, sûrement. Comme tous les soirs de ma vie. Bras tendu, bras gainé. Je fais le rodage du pneu arrière, là. Je rode la bande. Non, mais en vrai, comment ça doit tellement plus s'accrocher avec deux pneus neufs. Oh, oh là 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 là. Ça y est, c'est fini de déraper pour rien. Ça aussi, ça doit être une belle caisse. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais, Maurice. Allez, on y va. Aïe. Moi, piste cyclable, je suis un deux roues. Bon, les amis, j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi bien, on rode un pneu. Si, il faut juste faire un burn et puis voilà. Eh, il a freiné, il a eu peur. Il a eu peur, collègue. Il est sur circuit, Gann. Il est trop chaud. Il met une avance. Bon, les amis, et bah, vous avez kiffé vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas 3000 pouces bleus et une nouvelle vidéo qui sort. Comme il y en a qui sont déjà prévus au stock, et bah, c'est plus simple. Du coup, si vous mettez pouce bleu, la vidéo elle sort. On va faire une petite VMAX. Eh merde, vous roulez à 35, hein? Ah ouais, il y a 30 km de décalage. Oh, comment il a l'air chargé le camion. Bref, les amis, passez à tous une excellente soirée. Et sur les réseaux sociaux, allez sur TikTok et tout. J'ai un TikTok, les amis. Si jamais vous voyez des TikTok qui sont postés, bah c'est pas moi, mais moi je m'en fous, hein. Vous pouvez les poster, y a pas de souci. Si c'est bien pour vous, si ça vous fait de l'oseille, tant mieux. Même si vous pouvez m'envoyer un McDo, quoi, de temps en temps, c'est pas, c'est cool. Allez, sur ce, les amis, passez une bonne soirée. Bonnes vacances à tous. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit.